Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire d'Orion, en empire immortel. On continue notre travail d'éradication de futurs ennemis de la crise. Et on commence évidemment par les vampires. Manfred, Vitsu me faisait la remarque, mais Manfred, pour une fois qu'il survit, t'es sûr? Oui. Oui, il doit disparaître. Parce qu'après, il va devenir une plaie pour le monde. Une vraie plaie. Donc on a cet arbre-là, donc je vais taper dessus. Et le nain, j'avoue que je vais peut-être essayer aussi de façon à mettre une distance. Je réfléchis. Je réfléchis pas mal. On va voir ce qu'il me dit en termes de perte. Perte faible et tout, oui, il n'y a pas de garnison. Je pourrais occuper les Landes. En vrai, est-ce que on s'en fout pas un peu Après, ça avance. Pour la forêt magique. Ça peut me permettre de mettre de la distance un peu autour. Et contre les nains, ça peut... Ouais, non, non. De base, je suis pas forcément chaud pour capturer, mais si je peux mettre une petite distance avec l'ennemi, si je peux attirer potentiellement l'ennemi comme ça aussi. Faudrait un truc chiant justement pour l'ennemi. Ou alors un petit plus 5 pour toutes les provinces. C'est pas mal aussi hein. Alors si je fais ça, ça veut dire qu'au prochain tour je peux recruter. Je vais mettre celui-là. Pour recruter une unité globale. Au niveau régène, c'est un peu faiblard. Hein. Ici, pour l'instant, de toute façon, ça bouge pas. Il reste un tour à Tevaril pour avoir son armée full. Et derrière, eh ben, on va pouvoir aller chercher, par exemple, la petite rencontre et après les Skaven. Allez, on met ça. Voilà, on a plus de thunes. Non, on bouge pas. Ok. Niveau diplomatie, tiens. Accord rapide. Yes. Glade Lord. Toujours pas chaud. Ok. No evil doer may receive the blessings of the lane. Armored in ready. Honor before glory. Petit accord commercial avec eux, oui. Plainly, and only of matters of business. Tor Evres expects. Valiant Lord. Voilà. Hein. Par contre, Torek, normalement, non, je peux pas être copain, hein, c'est impossible. Bon, Enkari survit et. You have my undivided attention. Normalement, être en alliance avec, ça devrait l'augmenter. Hein. Oh. Les vampires sont nos amis, faut les aimer aussi, ouais. Allez, le problème, c'est qu'ils sont pas très communicatifs. Tiens d'ailleurs, t'as vu Witzo le dev, dev blog là sur justement Darktide. Ça va rajouter deux armes. A priori.
Et du coup le crafting, et après je sais pas trop, faudrait que je traduise, j'hésite à faire une petite vidéo d'ailleurs là-dessus. Bah tu le fais très rapidement, tu le vois ici. Hein. De la communauté. Voilà le update week 2. More weapon, tout ça. The forest calls. The hunt calls. You have my blessing. Alors, ça me permet de régène. Alors du coup, j'ai besoin de la capturer celle-ci si je veux faire avancer la santé de la forêt aussi. Hein. Orion. Il y a beaucoup de choses en un tour, ça c'est cool. Et nous, ce qu'on veut, c'est une pointe, je pense. On va faire comme ça. Comme ça. Voilà. Ensuite. Est-ce qu'il y a plus important que ça? Bah oui, là, normalement, c'est ça. Eh oui. C'est-à-dire que j'ai tout mis là ? Non. Mais non. Ouais, bah... Je pense que ça va virer, hein. J'ai ça à côté, hein. Donc, je voulais ces trois là parce qu'ils sont normalement en lien avec l'armurerie Asraï. Ouais. Donc là, pourquoi pas investir pour ça? Comme ça, on a les forestiers maintenant recrutables. Elle peut aller voir ça. Oui, qu'est-ce qui se passe? Bon, les arbres pas contents pendant 5 tours. Toutes les provinces moins 10. Dryade, homme, arme, les murs, ouais. Par contre, Bretonnie épargnée, donc ça nous met bien avec. Après, là, j'affronte un ennemi. C'est quand même moins 20 avec les Bretonniens, mais j'ai déjà signé des trucs avec eux. Attendez, ces pèlerins cherchant à offrir une ancienne relique à une chapelle perdue dans les bois, cette relique a effectivement le pouvoir et pourrait faciliter la guérison des racines du monde. Ah ah. Nous autorisons l'offrande. Il faut savoir quand même... Et ces pèlerins... s'occuper de tout ça. Ils veulent déposer une relique. Alors à moins qu'elle soit corrompue, laissons les faire. Ça sera au prochain tour. Ok. Lui, de toute façon, il va rester là pendant un temps. Hein, donc faut qu'il arrête de me harceler. Pareil pour lui. Lui, après, on peut aller là-bas. Et se dire que bientôt... Non, pas bientôt. Faut attendre Durtu, je suppose, pour ça. Qui lui, du coup, bah ouais, ça va être niveau 5. Ok. Il reste deux villes. Donc, si je tue celle-ci, je pense qu'en fait, il est terminé le vampire. Ouais, le crusher, c'est ce que je me suis dit. Ça doit être pour le green. Mais le MK1 Power Maul, là.
enfoiré, il l'a capturé. You have been granted access to my halls. Don't make me regret my act of... Bon. C'est avec lui qu'il faudrait que j'arrive à signer des trucs. Voilà. Donc ça, ma forêt, elle est bien boostée là. Là. Déclin naturel, voilà, maintenant on a toutes les landes autour là, sauf elle. Wherever I am needed. Ok, donc on va aller chercher les Skaven maintenant avec elle. Et de ce côté là, bah un peu la flemme non d'aller détruire... C'est même pas dit qu'il me laisse le... En guerre contre qui, toi? Skaven et Drakenov. Si je fais les Skaven, ça me permet d'avoir les sœurs, hein. Je crois que j'ai assez de portée pour même pas toucher à son territoire. De toute façon, je vais être en guerre avec lui. Est-ce qu'en vrai... Ce qu'il faut pas, c'est qu'il signe Ah ouais, non. Aversion traitée. Eh, devenons copains, toi et moi. T'es pas d'accord? Je pense que je vais aller très vite taper sur les nains finalement. Ouais, ma décision est prise. C'est chez eux qu'on va. Le vampire va mourir. Je vais éloigner un peu les frontières de mon arbre. Je voulais mettre le vin. Voilà. Et ici. Voilà. Ça, je le vire dès que ça s'est construit, donc dans deux tours. Ah. Au palais des chutes. Tant que je l'ai pas, let's go. Hein. Ça renforcera. Voilà. Bah c'est bon, regarde, il va survivre au final. Enfin, en tout cas, c'est pas moi qui vais le tuer. How dare you enter the hallowed halls of Athaloran? Non, bah non. Pas de paix. Pas de paix. Pas de palais. Non, c'est pas ça.
Épée de Kane récupérée. Oula. Oh, oh, oh. Quand c'est Tyrion qui l'a, généralement, t'es pas frais, hein. You have my undivided attention. Il y a des proutes dans la forêt, bien sûr. Ah bah. C'est trop bien parce que c'est caché par la... par l'odeur des pains et tout. Mon paix est caché par un pain. Par l'odeur du pain. Et le pain... la boulangerie. Pas le pain à l'épicéa, hein, bien sûr. Avec ça, il reste un tour, donc là je peux le casser. Et là, comme j'ai dit, hein, il n'y a pas beaucoup de force, et bah tant mieux. Parce que... je peux éviter une menace. C'est mardi. On va le faire. D'ailleurs, hein, bien sûr, la baguette. Hein, bientôt, la baguette, c'est de l'or. Hein. Vous êtes malin comme moi, faut acheter des baguettes, les mettre au congélo et vous les ressortez en 2023. Et normalement, le cours de la baguette devrait augmenter de pas mal. Voilà, petits tips comme ça, vraiment. Aïe, aïe, aïe. De toute façon, je vais l'avoir sur la gueule, quoi qu'il arrive, Itso. Avec la crise, c'est pour ça que je l'éloigne un peu de mes frontières. Ces petits tips de streamer influenceur, tu vois, c'est... Orion. Deep word cavalry. Ah mais non, c'était la sorcière qu'il nous fallait. Normalement non. Yes. Have my spear for the eternal realms. Azrael, climb to war. Bows of Athelurn for the eternal realms. King in the woods. Very well. Wild
Allez, on casse la porte. Non mais regardez l'esquiver. Non mais c'est horrible. C'est moche. Aïe aïe aïe. I am reborn. Wildwood Rangers. Eager for battle. Issa wills it. Swiftly. Aye. Attack. Orders. We are tireless. Alors. For the Osway. C'est bon, t'as pété? Ok. Voilà, j'avoue que eux, pourquoi ils prennent cher, je comprends pas trop. Parce que ça reste des rangers, normalement, ils sont pas mauvais. Wild Riders! Orion! Rousing the forest! Let fly! Armed and ready! Swiftly! To battle! Our bows are yours! Ok. Archers ready! Ouais, ils savent pas quoi faire. Eux, ils sont paumés, eux. Eux, là, je les sens paumés, là. Ils savent pas trop quoi faire, comment réagir. Je pense qu'il faut les aider. Ok. We never miss. With haste. Son of Kornos. Est-ce qu'il va savoir la lancer? Oui. For my lady. Bowman ready. Wildwood Rangers. Ha! Wildwood Rangers. Allez, vous pouvez le faire. Ah, ils y arrivent, hein. Je pensais qu'ils allaient galérer à tuer les guerriers nains, eux. Good. I will. Bon, j'espère que la charge a été fatale. Pas impression. Voir oh, vite fait. Attendez. Voilà. Parce que là, normalement, vous voyez, je charge là. Voilà. C'est ça, normalement, la charge, non? Wildwood Rangers. Ha! Swiftly. Very well. For Apple Laura. 113 de charge. Wild Riders. En train de caper le dernier. Defenders of Athelorn. Là, je pense que ça va mettre le coup au moral à beaucoup là. Et que ça va faire un petit effet boule de neige. Straight away. Hungry for battle. With speed. Cain, hear me! Strength of Kornos! Wildwood Rangers! Voilà.
l'épée de Kane, gros boost de seigneur. Mais tout le monde se méfie de toi après. Il y a que chez les elfes noirs ou il y a peut-être, enfin genre Malekith, il y a peut-être pas trop d'effet ou un délire comme ça, non? J'ai mon maître. Je mesurais récemment là les bureaux pour savoir comment on allait faire rentrer tout ça dans la pièce. Et qui est juste là. Le maître invisible, bah, il est pas invisible là. Normalement il est bleu orange. Pas invisible. Ah si, la barre elle est. Ouais, elle est un peu. Ah, c'est marrant ça. Il pleut. Normal, du coup je mets les essuie-glaces. Tu me rajoutes un volant, tu sais, en skin, moi je fais ça. Et je te mets ça devant. Putain, on avance pas là! Mais allez, bouge ton carrosse, la connard! Mais non, mais pourquoi tu mets ton client sur la gauche alors que tu vas tout de suite à droite dans le rond-point, bordel! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il prend deux voies! Mais il prend deux voies, il est de voiture! En ce moment, c'est les pleins phares là! On voit que, tiens, ils commencent à faire jour, hein, tu peux les enlever! Hein. Il y en a un, c'est hier, il nous mettait les pleins phares. On rentrait à la maison, il nous mettait les pleins phares derrière. Genre dans le rétro, je voyais rien. Alors, soit c'est ces phares qui étaient genre hyper mal réglés, et dans ce cas-là, on les avait de face. Ah bah, moi, du coup, je me suis dit, bah, écoute, j'ai activé mes feux de brouillard arrière. Ça, toi, t'es bien ou pas là? Ah, on s'en voit hein. T'as déjà testé Euro Truck? Non. God King of the Deep. Ma femme un jour elle me disait j'aimerais bien genre avoir ce genre de jeu avec le volant et tout. Parce que je sais pas vraiment si elle y jouerait en vrai. Je trouve ça marrant l'idée mais... Je suis pas sûr qu'elle jouerait. Make haste. Moving. Weave destruction. Hop là. Ah bien. C'est comme alors, je crois que j'en ai déjà parlé, hein. Peut-être je radote. Hein. Et YouTube, n'hésitez pas à donner votre avis d'ailleurs. En région parisienne, il n'y avait pas ce truc-là. Hein. Je retrouvais pas ça. Sauf pour les camions et les bus. Et vous allez comprendre. Dans un rond-point, normalement, la règle en voiture, c'est... Tu vas à droite ou tout droit, t'es sur la file de droite. Tu vas à gauche, enfin t'es sur la... Si t'as deux voies sur ta route, celle de gauche, c'est pour faire... Enfin, pour aller à gauche ou faire demi-tour. J'avoue que moi, des fois, j'utilise un peu la voie de gauche pour aller sur la deuxième voie d'en face. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça, c'est un truc... je suis pas sûr que ce soit officiel, mais c'est beaucoup utilisé, disons. Et je crois que c'est pas fou, hein. Normalement... Mais bref, et en Bretagne, en tout cas vers Saint-Brieuc, il y a le clignotant à gauche pour te dire que t'es dans le rond-point. C'est-à-dire, exemple, quelqu'un qui est sur la file de droite, qui va vouloir aller tout droit, va te mettre son clignotant à gauche, dès le début dans le rond-point, jusqu'à qu'il quitte
le rond-point. Peu importe en fait qu'il aille à gauche, à droite, qu'il fasse deux tours dans le rond-point ou quoi que ce soit. Enfin, deux tours dans le rond-point et tout ça, ça serait à peu près normal, surtout si c'est un rond-point à plusieurs voies puisqu'il y a le centre. Mais il y a des gens qui vont à droite et en face, ils mettent le clignotant à gauche parce qu'ils sont dans le rond-point. Pourquoi ? Ça, je connais la technique pour les camions. C'est un truc qu'ils utilisent. Tu sais pas vraiment où ils vont, mais dans tous les cas, tu fais attention. Donc du coup, tu les laisses faire leur popote, parce que les ronds-points avec eux, c'est pas toujours facile pour eux. Mais alors, pourquoi il y a le clignotant à gauche quand t'es dans le rond-point automatiquement pour beaucoup en Bretagne? Pourquoi? Et même en face, ils mettent le clignotant à gauche parce qu'ils sont dans le rond-point. Et quand ils vont aller en face, ils vont le remettre sur la droite à un moment. Ou alors ils vont même juste le désactiver. Et voilà, ça veut dire qu'il va sortir. Et moi, avec ma femme, quand on est arrivé, on était en mode... Est-ce que ça, c'est une règle en Bretagne? Parce que ça revient très très souvent. Hein. Lord of the Asrei. Sans mentir, hein, c'est souvent ce truc-là. Protector of the Oak. En mode, peut-être qu'il y a une règle, on n'a pas la même. Pas tout à fait la même. Je ne sais pas. C'est pas que en Bretagne. Mais pourtant... À Paris et la région parisienne, il y a beaucoup de connards en voiture, ça faut le dire. Mais il n'y a pas cette idée de clignotant. Hein. Bah ouais, mais ça, non, Maxo, pour moi, c'est pas du tout la règle. Hein. C'est pas à gauche tant que tu as une sortie... Enfin, tant que tu as une sortie que tu ne prends pas. Moi, je connais pas cette règle. Hein. Moi, c'est... Tu vas tout droit, tu mets pas de clignotant dans le rond-point jusqu'à que t'arrives en face, en fait. En fait, quand tu vas arriver... Alors, c'est pas quand t'arrives en face. Si on veut les détails, c'est... Si je vais à droite, j'ai le clignotant quasiment tout de suite à droite. On va dire, c'est un truc à deux voies. Hein. C'est une route à deux voies dans un rond-point à deux voies. Si je vais en face, je suis toujours sur la voie de droite, sauf que je vais pas mettre de clignotant. Je vais continuer ma route et quand je vais arriver à la... Alors c'est à peu près à la moitié de la sortie de droite, côté ceux qui sortent. En fait, tu leur bloques le chemin plus ou moins. Et là, enfin, quand tu passes la sortie de droite, on va dire, tu mets ton clignotant à droite pour dire, ben là, cette fois, tu sors. Moi, c'est ça la règle, hein. Il n'y a pas de clignotant gauche, sauf si tu vas à gauche ou tu fais demi-tour. Pour moi, il n'y a pas de clignotant gauche. C'est comme ça qu'on m'a appris à l'auto-école. Clignotant gauche, c'est bah, du coup sur un deux voies ou même sur une voie, tu mets ton clignotant... Enfin, tu le mets si tu vas aller à gauche ou tu fais demi-tour. Ou tu fais un tour du rond-point. C'est ça la règle pour moi. Ready to serve. Ouais, c'est ça. Après, oui, t'es pas obligé quand tu tournes à droite de le mettre dès le départ, mais disons que c'est une info que les gens peuvent prendre. T'es dans le rond-point, tu mets tout de suite à droite parce que tu vas sortir dès la prochaine. C'est une information que tu peux utiliser, enfin que les autres peuvent utiliser. Et encore. Faut pas toujours s'y fier, hein, parce que bien sûr, des fois, les gens oublient. Mais c'est pas forcément un fait exprès ou quoi que ce soit. Mais ça arrive aussi d'oublier qu'on l'a laissé activer ou je ne sais quoi. Et du coup, faut mieux regarder les roues ou le comportement de la voiture. C'est une vieille règle qui n'est plus de nos jours. Donc, t'es en train de dire que c'est tous les vieux de Bretagne qui utilisent cette règle et qui font croire à tout le monde que c'est la règle qui s'utilise actuellement. Parce que... I live to serve Ariel.
Voilà, après avoir dépassé la sortie. Et encore que moi, c'était au moment, je sais pas si vous aviez eu la même chose, genre quand tu t'es sur la voie de gauche du rond-point, donc la voie intérieure, pour aller sur la voie extérieure, quand t'allais à gauche ou à droite, c'est quand t'arrivais à peu près, presque à la sortie d'en face en fait, il fallait déjà commencer à te rabattre sur la voie extérieure, donc celle de droite, pour couper le chemin de ceux d'en face, parce que t'allais tourner à la prochaine sortie, c'est-à-dire à gauche, si c'est compréhensible. Ou la next encore, etc., etc. To arms. Talk if you must. It won't change your fate. Ouais, c'est bien Torek, il est loin là. Désolé, hein, en même temps on joue, hein, je vous promets. Après, y a des habitudes ancrées. J'en connais certains, et c'est vrai que tu te dis, bon, je t'apprécie. Sur la route, si jamais je suis derrière toi, je lâcherai sûrement quelques mots. Mais ceux qui restent sur la droite tout le temps, peu importe la sortie, ils veulent aller à droite, ils veulent pas aller au centre du rond-point. Mais ça, c'est ceux qui n'ont pas connu le rond-point Charles de Gaulle et tout, parce que si tu fais ça, mon gars, rendez-vous dans une heure pour aller de l'autre côté. Alors, ça... Tant que t'es sur des petits ronds-points, ça marche. On va dire, les gens font un peu attention à toi. C'est comme le ski, c'est comme, on va dire, le vélo. Enfin, c'est ce genre de choses où la personne qui serait derrière toi fait quand même un peu attention à toi, parce que de toute façon, faut faire attention pour les autres aussi un peu. C'est à la fois pas normal et un peu normal, parce que bon, on n'est jamais à l'abri de faire une erreur aussi. On reste humain. Mais par contre, quand tu sais que c'est une habitude ancrée. Comme la règle où si tu t'arrêtais à un carrefour, tu perdais ta priorité de droite. Ah ouais. Bah là récemment justement je discutais avec des collègues et ça ils avaient pas cette info là. Normalement vous savez il y a le comment, il y a le fameux rond-point et il y a le carrefour à sens giratoire. C'est à peu près ça le terme. Où c'est deux choses différentes. Le rond-point normalement t'as, je crois que t'as le délire de la priorité à droite. Normalement. Parce que au final, il n'y a pas le CD, le passage, il n'y a pas les informations qu'il faut pour te dire que c'est celui à l'intérieur qui a la priorité. Et t'as le truc à sens giratoire. Non, normalement, il y en a deux comme ça. Hein. T'as un terme différent qui veut... Il y en a un, il te donne la priorité à l'intérieur. Il y en a un, il te dit juste que ça va tourner. Point. Mais que la priorité reste à droite. I will. Stripped of Carlos. Ouf. Ils fondent comme neige au soleil. Ouais mais alors c'est pas le bon terme que j'utilise, mais je sais qu'il y en a deux, ils sont différents. Ils vont juste mourir des flèches. Peut-être finir par abandonner. For the eternal realms. Pas
pas de prieur à droite. Alors bah non, pas systématique parce que j'en connais. Je connais des ronds-points. Alors du coup, si c'est le même terme, je connais des ronds-points où t'as une priorité à droite. Et dessus, tu te fais défoncer si t'as le malheur de couper, hein, parce que les gens connaissent. Il n'y a pas un touriste qui peut débouler en mode. Il pensait oui, mais il sera pas bien accueilli, quoi. Ah non, bah non, c'est pas étrange, il y en a plusieurs, hein. Après, je sais pas si c'est maintenant aux normes, j'en sais rien, mais je sais qu'il est. Un des meilleurs exemples que j'avais, c'est dans une ville qui s'appelle. Alors, c'est. Normalement, ça se situe à Andrézy. À la coupure de l'Oise. Par rapport à. Comment ? À Conflans-Sainte-Honorine. C'est ce qui relie Morcourt à Cher. Conflans, tout ça. Carrefour giratoire. Je regarde sur internet, le vrai terme est carrefour giratoire. Alors, est-ce qu'il y a un autre terme qui existe du coup où la priorité est différente? Et il y a des ronds-points avec des feux en plus à l'intérieur. Ouais, non mais c'est. Côté Saint-Brieuc, ils sont pas embêtés, ils ont mis des CD le passage à l'intérieur, à l'extérieur, sur les côtés, enfin c'est, ils ont tout mis. Comme ça, le premier qui arrive, il passe. C'est fou. Ça, j'ai remarqué ça. Alors, voyons ce que ça donne. Attaque 113 de charge. Deepwood Guardian. Voilà. Donc alors attends, un rond-point officiel, c'est s'il n'y a pas de marquage au sol. Donc ça, c'est le. Voilà. Et le carrefour à sens giratoire, c'est celui qui a la priorité à celui qui est à l'intérieur. On est d'accord. Parce que si tu me dis que c'est ça, c'est que j'étais dans le bon alors du coup. Exemple, l'étoile à Paris, ouais, ouais. Celui où si tu veux avancer, t'es obligé de t'enfoncer à l'intérieur. C'est. Je comprends le stress des gens les premières fois parce que c'est un vrai truc à affronter en voiture. Avec l'humeur des gens et tout, c'est un mets en bouche. C'est une expérience à vivre une fois. On peut raser cette fois. I will make it so. Away I go. I live to serve Aerie. Il avait en mode mais qu'est-ce qui nous saoule avec ces trucs là. Ah mais des fois on aime bien discuter de tout et de rien. Si tu me confirmes ce que j'ai dit avant, du coup, bah tu vois, Maxo, c'était bien les bons termes potentiellement. C'est le rond-point et le carrefour à sens giratoire. Ouh, c'était cher. C'était très cher. Qu'est-ce qu'il veut, le monsieur, là? Bon, avec ça, il peut pas attaquer ça, hein. Non. Non, 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 il peut pas. Est-ce qu'il peut attaquer ça, en vrai?
Moyennement aussi, hein. Je sais pas ce que fout Bellegarde pour rester ici à rien faire là, mais il est horrible. Hein. On a envie de lui dire bouge ton cul. Hein. Capture. Bon, après, il va s'énerver. Hein, autour entre 60 et 80, à un moment, il va retrousser ses manches et à ce moment-là, faudra serrer les fesses. La priorité. Ouais, bah souvent t'as perdu avec des petits bonhommes de femmes dans ce cas-là qui sont dans des pick-up de 4 mètres et elle te voit même pas. J'ai des exemples comme ça. Elle te voit pas. Hein. Je te le dis. Hein. Donc faites attention. Hein. Elle a un pick-up, mon gars. T'es en mode, mais putain, mais ça existe ça. Mais c'est pas un permis poids lourd pour ce truc-là. Elle te voit même pas dans son horizon. Elle te voit pas, et tu sais que tu dois faire attention. I will go. Il attend de se faire confédérer. Ah, c'est bizarre, moi, parce que quand j'ai eu Thorgrim, il était quand même... il était présent, hein. Je crois, me semble. Hein. C'est pas grave. Je vais revenir avec... avec Orion et il va se dire ah. A traitor stands before me. Non. Alors, on va pas rejoindre cette guerre d'Urtu, pas tout de suite. T'inquiète pas, les humains on leur fera bouffer. Hein. Et il attaque l'arbre, mais je gagne. Alors c'est bien parce que du coup il me donne de l'expérience. Et ça, c'est important après pour la garnison. Lui, il était là en mode toc toc à l'arme. Non, ça marche pas. Alors là. Peut-être parce que j'ai Orion à côté. Je sais pas, hein, je t'avoue, mais. Bon, normalement, j'ai pas grand chose à craindre de lui. Enfin, c'est quand même chiant. Bon, le fait d'avoir mis cette distance avec Torek, moi en vrai, ça me va. Hein. Ready to serve. Ça me va à 100%. Hein. On va faire ça. On va l'amener là-bas. On va lui dire, vas-y, approche, va. Approche. Oh. Strike them down. Du coup, je vais pouvoir la voir. Mere vermin. Make Ariel and Orion proud. Ouais, ça me fait rire quand elle se tient sur le cheval. De côté quand même. Hein. Ah, bien sûr, avec style. Hein. Oh. Accept this fate. Rest, sing, and commune. Ouais, il a quand même potentiellement une armée, donc attention. At your service.
need. Est-ce que je pourrais vouloir en vrai? Je pourrais mettre celui-là. Pour avoir les dragons. Ok. Je pourrais faire pareil, mettre ça. Embuscade. It will aid the woods. Charge. Même s'ils chargent pas beaucoup en vrai les lémurs. En même temps ils vont pas vite hein. Après c'est possible qu'il l'ait pas prise parce qu'au final la ville est en niveau 1, elle est dégueulasse tu vois. Des fois l'IA font réagir un peu comme ça. Et je prends pas un truc aussi ridicule parce qu'il faut... C'est horrible les elfes sylvains pour ça. Hein. Enfin, pour l'ennemi. Quand je lui prends sa ville, je la rends niveau 1. Là, c'est pas genre... elle est niveau 5. Alors lui, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Là. Il a vraiment attaqué Orion, full armée, avec la sienne blessée, avec... Voilà, faut... Alors, soit il a plus de ville, et dans ce cas-là, il est en mode... il tente de capturer quelque chose. C'est la seule explication que j'ai. Il a plus de ville. S'il a plus de ville, je comprends le fonctionnement de l'IA dans le sens, je suis obligé de foncer sur quelque chose pour essayer de récupérer et après je me refais. Si c'est pas ça, ben je comprends pas. Voilà. Parce qu'à quel moment tu te dis je vais réussir à prendre ça hein, En vrai, c'est tellement fort la défense elfe sylvain parce que c'est des chemins. Elia prend ce chemin, ce chemin, ce chemin. Jusqu'à maintenant, les batailles que j'ai fait en forêt, c'est ces trois chemins pour une armée complète. The
woods rage! Glory of the hunt! By your command! King in the woods! Very well! Way Watchers! Listening! Unbreakable! Kane, break them! Stalking the prey! Lead, Captain! Issa wills it! Strength of Kurnos! Ouais. Kurnos is in me. Athelurion. Defenders of Athelurion. Your orders? We understand. Withdraw. Wildwood Rangers! Et il les a vite rejoints. Là... Les ancêtres... hop, c'est bon. On est arrivé. Regarde ici, on t'a fait un petit trou. Tu mets ta tombe vite fait, tu dors un peu, tu reviens dans 300 ans. Essaye de voir si là, il n'y a pas moyen que tu retournes le monde. Est-ce que Nagash, il va se réveiller cette fois? Non. Attends que la fin du monde passe, ressort et regarde s'il n'y a pas moyen de faire un truc. Bon, ça sera sûrement très chaotique dans la zone. Mais au pire, ça doit se relever aussi tout ça, non? J'avoue, j'ai rien compris pourquoi il a fait ça. Alors là... Moi, je soupçonne qu'il a vraiment perdu toutes ses villes et que là, il se retrouve comme un con. Mais si c'est pas ça, la logique de Liège n'est pas là. Ou alors, il est assiégé sur une ville aussi et du coup... Enfin, je sais pas. Honeyed words, but I will see the lie concealed within. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Alors, et pardon. Il va être travers. Do not under. You. Non mais c'est ça, il a zéro ville. Bon bah je comprends là. I thirst for the hunt. Je comprends que l'IA est parti en mode tout droit. To arms. Bon. Ils sont un peu morts malgré eux, mais ok. Pas trop aimé mes trucs, mais si je fais rejoindre la guerre contre voilà, moi ça me dérange pas mon copain. Alors je sais pas où il est son clan mais... Orion! En 3 et encore ça descend.
king in the woods. Peut-être plus grand chose à faire ici au final, hein. I will grant your request. Your words are twisted like the bow. Oh, regardez l'enfoiré, lui aussi, il a la guerre contre. Il faut que je négocie vite. Non, faut pas abuser quand même. Hein. Oui, je vais pas te donner à. Ouais, chaotique, tu joues les elfes, tu vas empêcher la fin des temps et. C'est vrai, ouais, ou dans ce sens-là. Non, mais c'est vrai, bien noté. C'est vrai que non, normalement. Moi je vois ça comme une fin un peu inévitable, mais. Ah non, on essaie là de repousser là. Can I help you? Ah bah enfin il assiège. Ah, c'est plaisir ça. Oula. Attention la peste. Ça coûte combien lui maximum? Ah non, on peut pas. On peut tout simplement pas. Armored in faith. Ouais. Valiant Lord. En vrai, j'ai hâte que scroll que foute la merde là-bas. Contre les nains. Mais oui, mais Torek, quand t'as Pantorek, je vais pouvoir avoir. Oh, la folie. Norska, ok. Tradition régionale, capturer ou occuper une colonie appartenant à l'une des îles. Ok, ouais, bah oui, bah si je vais chercher une bataille encore avec Torek. Bam! J'ai du retu! Et là, je pourrais re-signer avec les autres, pire. Speak! I will hear you now. Be warned, my mood is dark. Je pourrais re-signer. Oh, je fonce. I share the forest's thoughts. Orders understood. Defender of Athelloran. It is fated. Alors, bon, Magritta, il y a des chances que ce soit habité quand même. Azray Spellweaver. All hail Kurnos. I commune. May the Antium look now. On va peut-être éviter la guerre avec l'Empire, mais bon, au pire. On tue l'Empire et puis voilà. Je veux dire. My will is yours. Est-ce que quelque part. On s'en fout pas un peu. Yes! Ils vont se faire écraser par Vlad quand l'autre il va s'énerver. Ils vont être là en mode ah, oui, bonjour. Putain, mais c'est vrai que eux c'est attaque mêlée, défense mêlée, up au même endroit. Mais c'est. J'avais oublié cette folie. Il y a tellement de héros où ils sont encore en mode non, c'est je choisis. Et eux ils sont là. Non, les deux. Ah, les deux c'est pas mal. Hein. Moi je trouve quand même les deux ça rend bien. C'est fort, ça, c'est vrai. Ça, c'est pas mal balèze.
Pour arriver à la renaissance de ce truc là, il faudrait que potentiellement je sois en alliance avec lui. Donc, par exemple, rejoindre la guerre contre le clan machin. Ça tombe sous le sens. Comme ça on devient copain. Hop. Et après on va voir. Salut Carlito! Je pourrais donner tout l'Empire, c'est vrai ça. C'est vrai ça. J'aime beaucoup ta façon de penser. Donner tout l'Empire à la Bretonnie, faire rayonner la Bretonnie dans le vieux monde. La Bretonnie vaincra. Ouais, ouais, non, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Louant à Aldorf, louant à Middenheim, louant à Nuln, louant même au château Drakenhof. I live to serve Ariel. Zalmar Gorbok, Q. Lord of Bretonnia. Protector of the realm. C'est marrant, il est en guerre contre les fidèles de Nagash, je sais pas pourquoi tout là-bas, mais... Lord. The Hunter. C'est quoi sa puissance? The runes. Ouais, c'est pas ouf, hein. You have orders? Lord of the forest. Away I go. Ok. Allez, on y retourne là-bas. On va essayer de faire la dernière bataille. Guardian of the Deepwood. Guardian. If the forest wills it. Protector of the forest. C'est des ruines. Est-ce que quelque part c'est pas un peu la mort pour notre ennemi? Pourquoi il y a le chaos universel là-dedans là? Qu'est-ce qui se passe? Smite them. Deal with me or... Perte faible. Make ça se tient. Ariel and Orion proud. Ah, est-ce que je vais pouvoir demander aux sœurs de venir ou pas? Non, c'est pas encore. Il faut pas abuser, c'est pas encore. Enveloped by darkness. Et après, je reviens là-bas rapidement. You need me? Ok. Present. Elle est encore sur licorne. The forest calls. Ok, un petit fin de tour. Ça va, s'en sort au final, on dirait. We grant you an audience. Je pense qu'il va falloir que je continue à faire les armées, hein, d'ailleurs. Parce que c'est bien de... Comment ? D'avoir quelques petites armées en défense, mais il va falloir quand même prévoir du lourd pour un... pour les futurs problèmes. La Sylvanie brille. Hein. Je
pense qu'ils sont trop occupés, l'Empire, pour vouloir me déclarer la guerre. Ça me paraît très bizarre s'ils me déclarent la guerre et en même temps... Là, je vais avoir du retu, je vais pouvoir faire la paix. Bon, le seul problème avec toi, c'est que t'as la forêt. En vrai. Est-ce que Skrull, qu'il est déjà mort? Est-ce que je le vois pas dans ces guerres? Je crois que Skrull qui est mort. Qu'il n'y aura pas d'invasion en Lustrie. Faction détruite. Ah. Elle appelle à l'aide. I foresee destruction. Oh. 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 Despoilers, come. We have much to discuss. Come. Bah, je peux le capturer là, c'est une ruine. Je peux capturer l'arbre. Attendez. Sigma's will. Je pense pas qu'il soit en PLS, mais par contre... Do you know who I am? Oh, ça c'est super facile à choper. Honor before you called? Je croyais que justement c'était compliqué. Ah ouais? Alors attendez. Alors... Can I offer assistance? Normalement, si je fais... Parce que lui, d'ici, il peut pas. Oula. Oula là. Anything is possible. Oh hein? Bring ruin. Je m'en fous de lui. The ruinous powers demand your utter dis. Mais oui. Tranquille. Lord of Athaloran, making my way. Proud son of Athaloran, Glade Lord. Oh, ce vol! Hi, Elvis. I am the bright flower of the goddess. I will use Je paye. My gifts. Je paye pour lui plaire, là. Oh, ce ninja! Wouba! Protector of the oak. Ah ouais? I thirst for the hunt. You have my blessing. Ok. Je vais recruter un autre seigneur. C'est quoi la différence entre seigneur Sylvain et les dames Sylvaines du coup? Oh ouais, tout de suite, elle est un peu plus corrompue. Ouais. My song grows louder. J'ai plus de thunes. The forest is whispering. Going forth. Spellweaver of Athaloran. Bad
plan, Steam. I am Morgiana, Fey Enchantress of Bretonne. Comment ça, je régène pas là? Ah non, c'est du neutre. Make haste. Voilà. Là, je régène un peu. Deepwood Guardian. Ok. Bad idea. Mage of the Fey Folk. Ok. On va regarder ici. Comment t'as le mort n'empêche quand tu perds ta capitale comme ça. Et qu'en plus t'en as un autre derrière et récupère. Ah c'est sûr, je joue à l'arrière là. J'ai envie de tout casser. La petite bataille bah, qui va être très facile. Hein. Et grâce à ça, je gagne le bonus de Torek. Je recrute, je confède Durtu. Que demande le peuple? Il va prendre super cher. Il n'y a pas une armée folle, hein. Alors pour fuir, c'est là. Armed and ready. Your orders? I am reborn. Way watchers. Defenders of Athelur. Par contre, j'adore ce genre d'embuscade à 3 km, hein, vraiment, c'est mon plaisir à moi. Et si vraiment je pouvais apparaître à 3 km de l'ennemi, ça serait le pied. Donc faut que je saute à peu près là-dessus. Rangers. Annihilate all! Swiftly! We stand ready! Smash them! War dancers! Children of Athelloran! We will obey! Orion! Good! You have my spear! Aïe 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 aïe.
It is my bond. Warriors of Ariel. Je me suis un peu défoncé mes trucs, mais bon. At pace. Protectors of the forest. Son of Kornos, with speed. It shall be done. Highborn captain ready. Voilà, comme ça il y aura le boost. Ready and able. Waystalker. At once. At pace. I will. Unbreakable. At once. Armed and ready. Yes. Awaiting orders. Voilà. Salut sur ce Kabut. J'ai vu les résultats, oui, bon, Elden Ring. Étonnamment, tu vois, pour le voice actor, j'aurais plutôt mis le gamin que de ce que j'ai vu après, hein, parce que j'ai pas joué au jeu. J'ai regardé pas mal de streams dessus, parce que je sais pas si je ferai un jour ce jeu. Je fais pas partie vraiment des fans du jeu. Je trouve ça beau, je trouve ça agréable à regarder. Et en voice acting, j'aurais plutôt mis le gamin en gagnant. Et par contre, il a fait un discours aussi. Après, j'ai pas tout vu. Hein. J'ai vu du coup les quelques futures sorties. Weapons loose. Warriors of Aerith, aim fire. Il me saoule à vouloir absolument tirer là-dessus. Quickly. At speed. We never miss. Straight away. Archers ready. Dauntless Atrey. Way watchers. Ancients, bless our weapons! Run! Ah, mais il est... Non, non, il est juste très rapide. Putain, c'est... Je croyais que c'était des sprinters! Attack! At what? Our bows are yours! By Kernos! Bon, je pense qu'on les a assez achevés, hein, souvent là. Allez. Je sais pas, j'aime bien quand même, j'adore sa voix, j'adore la présence de la personne en plus, très charismatique, mais pas à lui que j'aurais attribué le Game Awards pour le voice acting. Le gamin dans les extraits que j'ai vus, dans les streams que j'ai vus et tout. Je trouvais un peu plus de... Ah, du coup, d'émotion, mais c'est fait exprès en soi. Et je sais plus qui y avait d'autres. Attends, il y avait pas Anicia? Celle d'Anicia Donc comment? Ah, faudrait que je revoie. Je sais plus qui c'était les autres concurrents, mais je sais plus s'il y avait pas Anicia de Plague Tale. Ouais.
J'avoue que j'y vais surtout pour les world premières. Hein. Les jeux, généralement, si dans l'année beaucoup de personnes en parlent, etc., c'est suffisant pour moi pour prouver que c'est un jeu qui fait partie des millésimes. Un de ceux qui sortent du lot, quoi. Pour l'année. En vrai, qu'ils aient le titre. Oui, confédéré. Et ben voilà. J'ai vu qu'il y avait un Hades 2 qui allait sortir. Ça, je suppose que beaucoup sont hypés par l'idée. Les critiques du film WoW sur Rotten Tomatoes. J'ai pas dû voir ce moment. Le petit 3 perforant va faire du bien. Normalement je comptais avoir Durtu sur Belégar, mais visiblement je l'ai avant, donc ça c'est cool. Bon après elle a d'autres villes, donc ça va. All are welcome in my court. Pas en construire un sur elle ? Le Strage doit le faire. Glade Lord, at your service. No point. Rest, sing. Est-ce que je me mets comme ça et j'avance? Bad idea. Guardian of the Deepwood. Je pense que je vais me mettre en cachet. Je vais avoir besoin de régène, donc je pense que j'ai besoin de ça. Hein. Après, je lui donnerai à la limite. Hein. Ou je lui donne, et comme ça, ça me permet de régène aussi. I heed the call. On va le faire de cette manière. You have my blessing. By Clad Brakak. Ah, je pense que Torek, on l'a déjà assez mis à mal comme ça, non? Oh, ouais. Ah ouais, moi, je veux bien, moi. It's our tech. Eh. Comme ça, lui, ça lui plaît aussi. On a corps rapide, on a quoi? On a tout ça, ici. J'ai les bonnes alliances. Oh, le défenseur, ça me déplairait pas. Il est en guerre contre quelqu'un, le... Attendez. Protector of the realm. Denza. C'est embêtant. Armored in faith. C'est probablement lui à qui je devais casser la gueule pour plaire à l'arbre. I am the blood of Gilles. Lord. D'ailleurs, c'est un malveillant. Attendez. Now. C'est un arbre malveillant? Ah non, je crois pas. Oh! J'avais pas vu qui est derrière. Va falloir faire attention. Ici,
En vrai, je lui détruirais bien la ville et je me barre. Hein. Est-ce que j'ai besoin de le détruire plus que ça? You're not welcome. T'es déjà au fond, hein. T'es déjà au fond, hein. The Hunter. Eh ben, je vais me barrer sur une autre zone avec lui. Ce qu'on va faire, c'est côté YouTube, on s'arrête là. On se dit au prochain épisode. Je vais réfléchir avec Orion ce qu'on va faire. Peut-être aller du côté des sœurs. Pour aller taper sur les elfes noirs, on va voir. Du coup, aider les hauts elfes. Sinon, aller du côté de Katay. Pour plaire, confédérer l'arme. Mais dans ce cas-là, il faudrait que je fasse une bataille avec... un Katay dans la zone. Non, mais le mec, il l'aime alors qu'il demande à ce qu'on tape. Eh bien d'accord, c'est lui. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Donc le grand Katay. C'est... Ouais, ok. Bah, va falloir y réfléchir. Au pire, je fais la paix avec eux rapidement. Je pense qu'on va tenter un truc comme ça. Comme ça, on a peut-être un arbre côté Katay. Hein. Ce serait pas si mal. Vous l'entendez, Baragouiné, là, le scaven? Ça un peu. Hein. Mage of the Faithfolk. Ok. Ah oui, bah oui, c'est vrai, du coup. Et Durtu, t'es où? Durtu. Peut-être laisser celui-là pour pouvoir recruter des forestiers. Ça, je veux. Pas ouf, mais... Alors là, il l'a pas encore au maximum. Est-ce qu'il a pas un peu tout ce qu'on veut, sauf ça? Et dans ce cas-là, je vire la cavalerie. Voilà. Ok. Et Durtu, il est pas là, visiblement. Hein. Il doit être dans le coin. Il est là. Bouge pas. Ne bouge pas. Si tu veux survivre, ne bouge pas. Je lui aurais bien donné un... Ouais, non. On refera ses points. Hein. Mais allez, bisous YouTube, au prochain épisode. Ciao, ciao.